bonjour, on se retrouve pour votre tirage de la première quinzaine du mois de juillet. Ami Bélier, ascendant Bélier, Lune ou Vénus en Bélier. Il y a juste une carte que j'avais pas bien rangée, que je voudrais correctement ranger. Ah voilà, ça va être parfait dans une seconde. Alors, peut-être que vous essayez de faire quelque chose de parfait ici, surtout si vous êtes fatigué, mes béliers. On peut avoir une tendance à rester branché sur votre idéalisme de fou. Attention à ça, parce que du coup, ça vous rend, c'est ce côté-là qui ne vous rend pas spécialement sympathique. J'ai l'impression qu'on vous dit de vous libérer et de laisser partir votre ex. Hein, amour non réciproque. Et conversation de cœur à cœur. Donc, mes béliers, mes bélières, ce n'est pas forcément... Alors, je ne sais pas si vous êtes actuellement en amour, mais on vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, ça peut être un ou une ex de la semaine dernière, mais ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez passé des années et que vous êtes peut-être encore en train de mettre en place, ou je ne sais pas si vous avez bien digéré la rupture, mais en tout cas, il y avait peut-être un ou une ex avec laquelle vous étiez encore en lien. C'est marrant parce que d'un côté, il y avait « libérez-vous », etc. Et à côté, j'ai « espièglerie ». En fait, on vous dit de vous amuser. On commence par la guidance de l'amour. Espièglerie et flirt. Il y a quelque chose qui va arriver vers vous très bientôt. Lune de miel, j'ai relation karmique, lâchez prise, apprenez à vous connaître mutuellement, aimez-vous d'abord. Bon, c'est un petit peu dans le désordre, mais en gros, on a un travail de libération des énergies de un ou une ex qui vous pollue encore. Il y a à passer du bon temps, à rigoler, à flirter, retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc on va voir, peut-être que là du coup j'ai conditionné le jeu à demander des nouvelles de l'amour. On va voir si c'est ça qui sort hein, pour votre première quinzaine ou si on va nous parler d'autres choses. Ne vous inquiétez pas, je vais tirer aussi, je suppose que je vais tirer, tiens, miroir magique, culpabilité. Alors là moi j'ai l'impression qu'ici il pouvait y avoir un ou une ex qui vous a fait énormément culpabiliser. Cette personne vous a accusé de quelque chose, d'accord? Elle vous a accusé de quelque chose. Moi, je pense qu'il y a eu une technique de manipulation qui vous a fait perdre, peut-être pas confiance en vous, mais l'estime de vous. J'ai l'impression qu'ici, il y a peut-être une distorsion depuis qui vous fait sentir comme une merde. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un... ouais. En plus, vous aimiez beaucoup cette personne, sinon vous ne seriez pas resté avec. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'ici, ça peut être que vous vous êtes marié hein, avec cette personne. Mais du coup, c'est comme si on n'arrivait pas à retrouver sa posture d'homme et sa joie de retrouver quelqu'un. Ou alors, c'est la joie de retrouver un homme. Homme-femme. Ah, amour. Oh, c'est trop beau. Ah, bah alors là... Vous allez réécrire le Kama Sutra, ami Bélier. Non, pour l'instant, on est en train de parler d'amour, mais je vois venir le truc. Alors, c'est marrant parce que c'est comme si ce qu'on nous dit en triangulaire, le fait d'être ensemble, c'était bien, mais qu'après, chacun de son côté, alors qu'on s'aime, ben, on va voir ce que ça donne. En tout cas, sinon, j'ai des célibataires qui peuvent sortir d'une culpabilité. En se libérant de l'énergie d'un ou d'une ex. Il y a beaucoup d'amour là. Hein. Ah, mais c'est un truc de fou. Hein. Vous allez gagner au loto, vous allez retrouver quelqu'un, vous allez avoir des rapports chaleureux avec votre famille. Ah, c'est bon là. Mais moi, c'est bizarre parce que j'ai quand même l'impression que vous êtes avec quelqu'un. Hein. Alors, je peux avoir des triangulaires qui se terminent et que chacun va de son côté. Ah ouais, là j'ai un truc de fou là, regardez-moi ça ce tirage. Regardez-moi ça mes béliers. Alors ici, argent, famille. Alors il y a peut-être de l'argent de la famille ou vous ne vous trahissez plus. C'est-à-dire que là, si on ne vous a pas donné votre dû, ben, vous allez le demander calmement, tranquillement, mais vous allez le demander. La période où vous vous laissiez flicanasser par votre famille, c'est fini. Ouais, moi j'ai l'impression que vos projets, peut-être qu'ils ont changé avec le temps.
Hein? Et c'était quoi cette histoire de trahison là? Eh ben, moi je pense que vous vous trahissez plus. Hein? Il y a un retour à la joie hein, dans cette quinzaine. Examen positif. Ouais, j'ai de l'instabilité qui s'en va. Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous ne vous trahissez plus et l'instabilité s'en va. Ouais, il y a un truc qui va être régularisé au niveau d'une répartition du patrimoine. Il y a une rigule, alors je ne sais pas ce qui se passe dans votre famille. Et il va falloir faire des choix. Donc là, moi j'ai l'impression que quelqu'un qui vous a fait énormément culpabiliser vous a fait perdre peut-être votre joie de vivre, de rencontrer des gens, etc. Peut-être que vous avez eu même honte de vous. Hein, ici, il peut y avoir de ça, parce que libérez-vous, c'est chaud quand même. Hein. Libérez-vous, la petite licorne, t'as vu qu'elle est dans son parc, c'est un peu chaud. Hein. Bon, moi j'ai l'impression que... Alors, il peut y avoir séparation dans une triangulaire. On a été super contents de se retrouver et maintenant, on a décidé d'aller de part et d'autre. Mais moi, je trouve que c'est pas exclu que ces gens se retrouvent à partir du moment où il y a quelque chose qui est... il y a une règle qui est définie par rapport à la famille. D'accord ? Alors, ici, découverte au niveau du boulot. Alors, est-ce que c'est vous qui découvrez quelque chose sur vous ? Ah, moi, j'ai l'impression qu'il y a une absence de ragots, mais par contre, on vous rentre dans l'art. Il y a des confrontations. Et ça va... On vous dit, défendez votre point de vue, parce que justement, ce serait vous trahir. Il y a un truc qu'il ne faut pas que vous vous trahissiez. S'il y a une procédure à lancer pour avoir la paix dans votre boulot, faites-le. Eh ouais, regardez-moi ça. Trouvez votre paix, ben, incroyable. Ici, on vous fait peut-être... de toute façon, vous allez avoir... suite à ça, vous allez avoir beaucoup d'opportunités. Moi, j'ai l'impression que ce serait peut-être le fait que vous soyez connu et que vous intentiez un procès à votre... Si cette personne le mérite. Hein. C'est marrant comme je me suis vue dedans, là. Je me voyais dedans, je te jure. C'est un truc de fou. Bon, c'est vrai qu'on a pas mal de points communs avec les béliers feu, mais ils sont quand même plus sur le démarrage. Alors moi, je t'avoue que j'ai du mal à finir des trucs, mais quand même, j'en suis pas au stade de juste démarrer. Alors ici, on parle de quelqu'un qui est parti. Il peut y avoir votre attitude par rapport à une personne ex dans votre vie. Attends, je sais pas comment vous expliquer. Parce que vous n'avez pas soigné les bobos d'un vieux ou d'une vieille ex, vous pouvez aujourd'hui avoir quelqu'un qui vous a tourné le dos parce que vous n'êtes pas tendre, parce que vous ne communiquez pas correctement, parce que vous n'avez pas confiance en vous. D'accord ? Et du coup, vous vous rendez compte qu'avec votre programmation interne, vous avez tendance à torpiller les histoires. Regarde la tristesse là, hein ? Quelqu'un est parti, tu pleures. Désir ou amour, tu le sauras un jour. Oh là là, la personne, elle vous manque. Alors, je peux avoir des célibataires. Ouais. Il se peut qu'on soit épié. Oh là là, il y a du désir. En plus, le désir est réciproque des deux côtés. Mais vous avez... C'est un truc de... Vous manquez grave. Hein. Non seulement il y a une connivence sur les plans Charnello, mais pas que. Hein. Ah bah, tu m'étonnes. Ça fait mal. Allez. Stabilité. Ça s'en va et ça revient. Il y avait peut-être des histoires en discontinu et triomphe. Avec la carte du triomphe, il y a quelque chose, on va s'en sortir, on va réussir à avoir une discussion. Oh, ici, il y a un ange qui vous accompagne, hein. Il y a du désir. Oh là 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 là! Ah, ici, vous trouvez une solution. Hein. Vous trouvez une solution qui vous sort de l'isolement et qui vous ramène de manière imprévue vers ce que vous vouliez. Mais moi, j'ai l'impression que c'est au détour de n'importe quoi, je sais pas comment le dire, que vous allez tomber sur « Ah bah tiens, et si j'essayais ça ?» Et le truc, ça marche, ça va vous... Alors, qu'est-ce qui va être porteur de solution ? Le fait de lâcher prise. Regarde ce qui dépasse.
Oh, regarde. Et j'ai aussi le coup de foudre derrière. Non, mais hé. Peut-être que vous avez besoin de vous rendre compte que vous étiez très amoureux de quelqu'un. C'est peut-être quelque chose qui est récurrent. Peut-être vous avez l'impression d'être quitté de manière récurrente et peut-être vous ne savez pas pourquoi. On verra avec les autres jeux. En tout cas, là, il y a plein de solutions qui sont trouvées parce qu'on est dans une énergie d'amour. Il y a du stress, il y a de la tristesse, il y a du manque. Néanmoins, c'est comme si vous mettiez tout ça dans votre moteur. Et c'est presque, tu sais, il faut que ce soit suffisamment, j'allais dire suffisamment pire, ou presque, pour que vous vous mettiez en route, hein. Ouais, alors ici, qu'est-ce qu'on peut... Bah, de toute façon, on a de très belles cartes, hein. Libérez-vous, espièglerie, flirt. Hein. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. On sort de la tromperie et on apprécie ses vacances ensemble. Donc, je pense que ça va aller. 11 minutes, 11 minutes. Ah bah tiens, j'ai le miroir. Trop bon. C'est l'oracle de la reliance. J'allais dire d'ailleurs, les filles se sont mariées, les créateuses. Félicitations! Ouais, donc là, il y a une histoire d'amour partagée. On a examiné, peut-être il y a eu une période d'instabilité, elle est derrière vous. Il y a de la lâcheté ici, il y a quelqu'un qui est parti lâchement. Ou on est parti lâchement parce qu'on avait du chagrin. Et j'ai de l'enthousiasme juste derrière. Et, oh ouais, on est super content de retrouver quelqu'un. Ben, peut-être que justement, vous quittez une situation qui ne vous convient pas et vous retournez vers quelqu'un qui vous plaît, hein. Ça peut être ça, mes béliers. Hein. Alors, ici, j'ai des grosses peurs. J'ai quelque chose. Vous avez besoin que ce soit raccord avec vos valeurs, mais vous êtes confus dans une histoire qui n'est pas claire. J'ai l'impression qu'il y a pu avoir une colère ou quelque chose qui a pété dans un couple. Est-ce que certains ont besoin de se positionner, de partir? Il y a une notion de partir, de revenir, de positionnement, de prendre sa place par rapport à quelqu'un d'indépendant, de prendre sa place vraiment. Il y a une décision à prendre. J'ai une femme indépendante et j'ai l'empereur qui n'arrête pas de revenir. On en met une dessus. On a été très déçus de quelque chose. Et par fierté, peut-être que justement, on est déjà parti. Hein. Oui, mais là, vous avez vécu un truc atroce ou quoi? Et en fait, c'est au lieu de mettre des pièces dans le bastringue, moi j'ai l'impression qu'on vous dit suivez votre instinct. Ah ouais, non, c'est l'empereur, hein, ça revient, c'est vous, Bélier. Mais c'est surtout en amour, là, ce qu'on vous dit, c'est vous avez été déçus. Peut-être que vous vous êtes rendu compte que vous avez manqué de discernement et que du coup vous n'avez pas su interpréter ou vous positionner et j'ai quelqu'un qui vient timidement présenter sa coupe ici. Mais en dos de deck on a ça et ça, d'accord? Et puis il y a certainement quelqu'un qui est en burn-out et on a besoin de se faire aider, ok? Donc il y a cette notion de... Il y a de l'amour. Il y a de la joie, il y a du triomphe, il y a des retrouvailles, il y a quelque chose de sympa. Par contre, on est en train de trouver des solutions à des choses qui ont du mal à être vécues. On est en train de terminer des cycles de trahison, des cycles de punition. Ok? Bon, ben, au niveau du boulot, je vous ai dit. Je vais vous tirer les cartes si quelqu'un ne vous dit pas quelque chose. 1, 2, en dos de deck, l'effet que tu me fais est si intense que ça me fait peur. Et oui, il y a un effet miroir aussi, peut-être. Alors peut-être que vous, il y a eu une rupture, on est en phase de guérison là. Alors quelqu'un vous dit, je me suis carte number one, je me suis sentie humiliée la dernière fois que nous nous sommes vus. Ça, c'est pour le choix numéro 1. Ça devait se passer comme ça, c'était écrit. Ben, peut-être la personne avec laquelle vous avez rompu là. Pourtant, il y a beaucoup d'amour, hein. On voit qu'il y a des retrouvailles, mais ce n'est pas tout de suite. Il y a une guérison, puis il y a un petit bout de chemin qui doit être fait. Pas une journée ne se passe sans que je pense à toi.
Avec union. Oh là là, regarde-moi ça. C'est chou, non? Oh oui, c'est chou. Je t'apprécie beaucoup. Je crois que nous avons fait fausse route. Pourrons-nous rester amis? Peut-être que... Ouais. Ici, il y a quelqu'un qui a bossé sur sa blessure d'abandon, mais qui ne l'a pas dit. On avait peur de se faire abandonner. Et on a besoin... J'ai l'impression qu'ici, vous êtes dans une phase d'éveil où vous avez un besoin de fusion et un besoin de distance. Les deux en même temps. Alors, ça me fait penser au caractère de la balance. Attention aux énergies tierces dans le travail. Et puis aussi à l'ego, bien sûr. Hein, vous pouvez vous mettre en colère pour rien et le regretter. Hein, donc là, attention aux excès aussi, parce que j'ai ça qui ressort hein, dans les cartes. Excès. Et peut-être que ces excès vous empêchent de vous entendre. Hein. Univers. Ah ouais, c'est un amour de fou. Hein. Espérance. Je t'apprécie beaucoup. Je crois que nous avons fait fausse route. Pourrons-nous rester amis, donc par rapport à la blessure d'abandon. Et je vous mets une petite dernière et on s'arrêtera là. As de denier. Suspendu dans l'univers, la planète tourne. D'une main à une autre, l'argent circule. Dans le secret du corps, les cellules frémissent de vitalité. Toute la grandeur de la vie t'habite. Tu peux partir de toi-même pour construire le monde qui te convient. Et voilà mes béliers, je vous fais des gros gros bisous. Et cette de coupe, servir, qu'est-ce que cela veut dire? Prendre à bras le corps la réalité, c'est le dodo deck. Prendre à bras le corps la réalité telle qu'elle se présente et faire ce qui te semble juste sans égoïsme au nom de l'amour. Bien sûr que tu commettras des erreurs. Y a-t-il un autre moyen d'apprendre? Qui ne tente rien, ne grandit pas. Je vous fais de très gros bisous. Bah, en plus, ça vous va bien, mes béliers. Donc, vous reprochez pas d'avoir essayé. Et puis, pardonnez-vous vos erreurs. Et puis, demandez pardon, quoi. Hein, il faut pas rester sur ses erreurs, sur ce qu'on a foiré. Merci à tous pour votre présence. Je vous ai pas mis le fameux jingle. Je sais que vous l'adorez. Donc, on y va pour la Shine de Didi. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de vos likes qui permettent de référencer la vidéo et vos abonnements permettent d'améliorer la visibilité de la chaîne. Merci à tous et à très vite sur la chaîne de Didi.